Bienvenue dans ce tutoriel avec une contrebasse. On va voir comment jouer à la basse ou à la contrebasse, comment bien jouer en blanche. Dans certains styles de musique, là on va parler surtout du jazz, mais c'est valable dans pas mal d'autres styles de musique, on joue à la blanche, c'est-à-dire que sur des mesures de 4 temps, on va jouer les 1 et les 3. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Ça, c'est tout. Alors, c'est parfois une façon de jouer qui est considérée un peu comme une... qui n'est pas toujours bien considérée par les contrebassistes, notamment les contrebassistes en jazz, qui ont tendance à beaucoup aimer faire des walking bass. Mais ça, bon, parfois les préjugés ont un peu la vie dure. Mais quand on s'intéresse un peu à ce style de jeu, on se rend compte qu'il y a une vraie richesse dans cette façon de jouer et il y a plein de subtilités qu'on va pouvoir amener. C'est quelque chose qui est très peu connu des contrebassistes et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que j'aimerais que ce message se passe un peu plus parmi les musiciens professionnels comme les musiciens débutants ou intermédiaires. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai relevé beaucoup de grilles de Django Reinhardt notamment, mais d'autres musiciens aussi. Et quand je relève des grilles, je relève les lignes de basse. Et je réalise les choses intéressantes qu'on peut y trouver. Donc ça, le problème qu'ont pas mal de contrebassistes de mon niveau, c'est qu'ils n'ont jamais relevé des contrebassistes qui jouent à la blanche, parce que sinon, les choses que je vais indiquer dans cette vidéo, ils les connaîtraient. Donc l'idée de jouer à la blanche, on ne va pas trop parler des différents phrasés qui existent, tout ça, parce que j'en parle déjà beaucoup dans une autre vidéo que j'ai publiée à la contrebasse où je parle des différents styles d'accompagnement pour les différents types de jazz. L'idée principale, quand on joue à la blanche, c'est de jouer soit la fondamentale, soit la quinte d'un accord. Donc si on a un accord de Ré, par exemple, on peut jouer soit la note Ré, soit la note La, mais on peut aussi jouer le La dans les graves, et le Ré encore plus grave. Bon, on ne peut pas sur la contrebasse, mais on peut jouer ça à n'importe quelle octave. Donc on peut faire Ré, La, et en général on va alterner Ré, ou Pain. Ok, vous voyez l'idée. Ré, La, Ré, La, Ré. Ça, c'est l'idée de base. L'immense majorité du temps, on commence par la fondamentale et ensuite on joue la quinte. Il arrive à certains, soit pour certains accords, soit pour certains morceaux très spécifiques. Il y en a un qui est connu pour ça en jazz manouche, c'est Spivey, sur lequel la majorité des accords sont renversés sur leur quinte. Donc on aurait l'équivalent de La, Ré, La, et non pas Ré, La, Ré, La. Voilà. Mais c'est assez rare ça. La plupart du temps on commence par la fondamentale et sur le troisième temps on joue la quinte. L'idée, elle n'est pas très compliquée. Déjà, rien qu'avec ça, on a pas mal de possibilités différentes, parce qu'on peut faire la quinte soit dans les graves, soit dans les aigus, et en fonction de ça, on ne va pas avoir exactement les mêmes mélodies. Mais ça, c'est les choses de base qu'on n'a même pas besoin de... On n'a même pas besoin de retranscrire des contrebassistes pour appliquer ça, pour le comprendre et pour le jouer. Par contre, quand on retranscrit des contrebassistes, on se rend compte que sur certains enchaînements d'accords, ils ne respectent pas ça. Ils font d'autres choses. Je vais vous montrer un exemple. Si je prends un 2-5-1 en Sol majeur, ça fait La mineur 7, Ré 7 et Sol majeur. Donc une mesure de La, une mesure de Ré et deux mesures de Sol par exemple. Ce qu'on ferait classiquement, si on respecte notre logique du jeu en blanche, ce serait La, Mi sur le La mineur 7, Ré, La sur le Ré 7, et ensuite Sol, Ré, Sol, Ré. Ok, donc ça ferait... La, dan, 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 dan. Ok. Ça, c'est une possibilité, mais souvent, ce qu'on entend, c'est que les contrebassistes font pas ça. Ils font plutôt ça. Soit... Donc sur le Ré, ils font pas fondamentale quinte, ils font quinte fondamentale, et ensuite le Sol. Ou alors, ce qui est possible, c'est... C'est
C'est quoi l'idée qu'il y a derrière? Pourquoi les contrebassistes font ça? Ils changent la logique de fondamentale quinte, ils font quinte fondamentale. La logique, c'est parce que chacune de ces mélodies ont pas exactement les mêmes, apportent pas les mêmes sensations de résolution. La résolution qui fait, la mélodie qui fait la sol, c'est une résolution qui est moins forte, qui apporte une sensation de résolution dans le groupe, qui est moins forte que si je fais ré, sol. Ça, en musique classique, on appellerait ça une cadence parfaite. Et si jamais je fais la sol sur un 5-1, on appelle ça une cadence imparfaite parce que c'est pas toutes les notes qui sonnent, toutes les notes de tous les instruments qui, mis ensemble, sonnent le plus résolutif. Donc si on veut la sensation la plus résolutive, on arrive sur le degré 1 par la fondamentale du degré 5. Donc avant d'arriver sur sol majeur, on joue une note de ré. Et le fait de faire ré, sol, c'est la mélodie la plus résolutive qui existe. Même si on l'a fait dans les graves. Hein. Ré. Ça, c'est important à comprendre. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une petite astuce qu'on peut utiliser, une variation qui est courante, c'est que quand on joue à la blanche, de temps en temps, on peut jouer à la noire. Donc, quelque chose qui est très souvent fait par les contrebassistes, c'est ça, sur la même cadence. Sur le ré, on fait le fondamental quinte, mais on revient sur la fondamentale pour faire une résolution ré sol forte. Ça, c'est une autre astuce qu'on entend souvent et qui fonctionne très bien. Cet élément-là, c'est un élément qui est très important, qu'il faut bien comprendre et qui, lorsqu'on le comprend, bah, tout de suite, ça commence à devenir un peu plus intéressant, le jeu à la blanche. Y a une autre situation dans laquelle ce genre de logique est vraiment importante. C'est que parfois, on va faire ça, on va faire... Donc là, je suis sur un ré, par exemple. Si j'ai un accord, disons un accord de ré majeur et un accord de la 7, pardon. J'alterne entre ré majeur et la 7, cadence parfaite en ré majeur. Ça va faire, disons, deux mesures de ré majeur, donc ré, la, ré, la. J'arrive sur le la, ça va faire la, mi, la, mi. Donc l'arrivée sur le la, en fait, je fais ré, la, ré, la. Je suis déjà sur la note la, et j'arrive sur le la avec la note la. Il n'y a aucun changement. C'est la même note que je joue, mais l'accord change. Pour faire entendre cet enchaînement d'accords de façon plus flagrante, plutôt que de garder le la, je vais me dire je vais arriver sur le la 7 avec un la parce que c'est la note importante à faire entendre, mais avant je vais jouer une autre note de l'accord de ré majeur. Donc ben si j'ai que la fondamentale et la quinte, ça va être la fondamentale. Donc ça va faire ré la ré ré la mi. Et donc là par la mélodie ré la, je fais entendre le passage de ré majeur à la 7. Et ça, c'est valable pour pas mal d'autres cadences qui existent. Des fois même, il y a des cadences, je pense notamment à la cadence plagale, le Christophe, donc le fait de passer sur le degré 4 et ensuite le degré 4 mineur et de revenir sur le degré 1. Moi, quelque chose que j'aime bien faire et qu'on fait assez souvent, c'est qu'on va chercher carrément la tierce de l'accord, donc la tierce du degré 4, pour faire entendre cette cadence-là. Si on est en Do majeur, par exemple, donc ça ferait un Do7 qui va vers le Fa majeur. Moi, je vais vers la tierce. Et ensuite, je fais la tierce mineure du Fa mineur. Et je reviens sur la quinte du Do majeur. C'était un petit peu avancé, là, ce conseil que je viens de donner. Mais s'il y a des contrebassistes assez expérimentés qui regardent cette vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a des subtilités dans le jeu à la blanche. Et par contre, les choix qu'on va faire, ils sont assez limités, mais c'est dans les détails que réside la finesse de nos lignes de basse. Parce qu'on ne va pas jouer des sixtes ou des tierces ou des septièmes majeures, ou vraiment pas souvent. Mais par contre, faire fondamentale quinte ou quinte fondamentale, dans les graves ou dans les aigus, tout ça, c'est des choix qui vont avoir une grosse différence de son au final. Pour illustrer ça, je vais faire une ligne de basse sur le standard I can give you anything but love, et je vais faire pas mal de variations et je vais gérer les 2-5-1 et les cadences de façon un peu différente. Illustration.
Voilà, ce que je viens de faire, c'est retranscrit, c'est disponible sur, sur SoundSlice. Vous pouvez le voir lentement, analyser tout ce que je joue. Il y a certains moments où un truc que j'aime bien faire et qui est assez courant dans ce genre de ligne de basse, c'est que des fois on fait des petites relances à la blanche et on n'hésite pas à faire des fois juste des mélodies qui sonnent bien sans trop se dire est-ce que les notes que je joue sonnent bien avec les accords. Donc on va faire ce genre de phrase un peu blues. On n'hésite pas à faire ça, tant qu'on ne tient pas trop les notes, ça fait juste une petite relance qui sonne bien. La toute dernière que j'ai faite sur cette grille, j'en suis pas très convaincu, mais je l'ai laissé, voilà, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas trop marché, ça arrive. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu, que vous aurez appris des choses, c'est assez probable. On ne se doute pas toujours que le jeu à la blanche peut être aussi intéressant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a une époque où c'était la seule façon de jouer, et donc bah, forcément les musiciens ils ont essayé de développer cet art, avec toutes les subtilités qui vont avec. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant. Et aussi ce que je trouve dans le jeu à la blanche, c'est que ça fait beaucoup plus facilement bien sonner un groupe que le jeu à la noire. C'est difficile de jouer à la noire et de vraiment bien faire sonner ça, parce que souvent ce qui marche, c'est d'avoir un son extrêmement percussif, et donc de jouer tout en piqué, et c'est assez difficile, assez technique, assez fatigant. Alors que le jeu à la blanche, c'est percussif un peu par nature, parce qu'il y a un silence entre les notes, et je trouve que ça swing, c'est une façon de jouer qui fait swinger beaucoup plus les groupes de jazz, jazz manouche ou le jazz des années 30 ou un petit peu avant. Si vous faites du jazz un peu moderne, on joue pas à la blanche en général, ou c'est très rare. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, partagez-la si vous avez appris des choses, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, la totale.